Bonsoir à tous et bienvenue à votre émission donc Être une voix pour les sans voix. Donc nous sommes le mercredi 7 novembre et je ne suis pas seul sur le plateau. Nous avons tenu en tout cas à vous partager également un thème qui nous tient à cœur, qui est l'indigent au milieu de nous. Et du coup, c'est un thème qu'on va pouvoir partager avec mes frères et sœurs sur le plateau. Et on pourra du coup vous exposer en tout cas tant ce que la parole dit, étant également les expériences qu'on a pu vivre, en tout cas que le Seigneur a permis qu'on puisse vivre au sein de la voie des sans-voix. Mais avant toutes ces choses, en tout cas, je vous invite en tout cas à prier avec nous, afin qu'on remette ce moment entre les mains du Seigneur et qu'il en retire tout simplement toute la gloire. Amen. Donc du coup, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, on va parler du coup de l'indigent au milieu de nous, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'extérieur, donc d'aider en fait voilà, des sans-abri au travers des maraudes par rapport aux actions que nous le faisons ou d'autres, voilà, d'autres chrétiens également font. Toujours aider en fait son prochain, donc du coup à l'extérieur de nos murs ou autres. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas en fait justement de l'indigent, de celui, en fait, tout simplement, par définition, l'indigent, c'est celui qui soit est dans le besoin ou, à l'inverse, soit qui est dans un manque. Voilà. Donc, du coup, ça nous est arrivé, en tout cas, de rencontrer des personnes qui, avec qui on prie, hein, voilà, qui étaient dans le besoin, qui avaient besoin notamment de nourriture, qui avaient du mal à boucler les fins de mois. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a interpellé et qu'on a voulu, en tout cas, en parler avec vous, parce que c'est vrai que on parle pas mal de, comme je vous dis, donc des personnes à l'extérieur. On parle pas souvent, du coup, de mon frère, de ma sœur qui est à côté de moi et qui, lui aussi, a du mal à joindre les deux bouts, qui est dans une situation également difficile, compliquée. Et c'est cela, en fait, qu'on a voulu aborder, en tout cas, avec vous aujourd'hui et qu'on va, en tout cas, voilà, vous exposer à l'instant. Donc, je vais laisser la parole à ma sœur Inès. Bonsoir. On va commencer par lire la parole dans Actes 4. Des versets 32 à 35. Or, la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce était sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Donc on va s'arrêter à cette partie-là. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Donc c'est vraiment à la lecture de ce passage-là, et en tout cas de cette phrase principalement, qu'on comprend que ce n'est pas quelque chose qui doit exister au milieu de nous. Même si c'est des choses qu'on ne sait pas forcément, c'est quelque chose qui existe au milieu des chrétiens. Et pour nous, par exemple, qui sommes dans l'œuvre sociale, c'est vrai qu'on a tendance à être dehors, on a tendance à rencontrer d'autres personnes, on a tendance à vouloir en faire beaucoup pour les autres. Et c'est pas qu'on n'a pas envie, mais on n'y pense pas, en fait, que même au c'est milieu vrai. De nous, même chez nous à la voix, on n'y pense pas, en fait, de se dire que peut-être que l'un d'entre nous est dans le besoin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que tu en penses, Lizzie? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que c'est vrai que parfois, on est très motivé. On veut faire l'œuvre du Seigneur. Vraiment, on a vraiment ça à cœur, d'aller à la rencontre des âmes, leur distribuer de la nourriture et tout ça. Mais sauf qu'on ne pense pas toujours aux autres, en fait, à ceux qui sont avec nous, alors qu'on est en fait un seul corps. On est un seul corps. Et donc, du coup, avant de penser, c'est vrai qu'on doit penser aux gens de l'extérieur, mais on doit d'abord penser aux gens qui sont avec nous, en fait, dans le quotidien, nos frères, nos sœurs en Christ, avant d'aller à l'extérieur, en fait. Voilà. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, du coup, ma sœur Félicie ? Merci, pardon. Bonsoir. Tout à fait, je rejoins ce que ma sœur Lizzie a dit et le passage qui confirme l'acte des apôtres. C'est vrai qu'on est très zélé pour aider les autres, pour aller sur le terrain. Le Seigneur a mis des grâces à chacun de nous pour
pour œuvrer dans l'œuvre, mais c'est vrai que le Seigneur nous a beaucoup interpellés au sein de la voie ces derniers temps par rapport aux besoins des frères et des sœurs, que ce soit la prière, que ce soit sur le plan financier. Et je me souviens, je ne sais pas si je peux donner un petit témoignage très court, on faisait une distribution au sein d'Évry, pardon, après un culte, c'était au mois de juin. Et il y a un frère qui nous m'a interpellé, qui m'a posé la question, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont aussi des besoins? Est-ce que vous discutez entre vous? Est-ce que vous savez... Voilà, il peut avoir des besoins aussi entre vous. Et c'est vrai que ça m'avait interpellé. Et le Seigneur aussi a continué à nous interpeller par rapport à ça. Donc, c'est manifester l'amour. Donc, voilà. Amen. Je voulais rajouter. Et du coup, mon frère Daniel. Bonjour à tous. Oui, gloire à Dieu pour ce sujet. Hein. Effectivement, je pense que nous qui sommes la voix, bon, c'est vrai qu'on a à cœur d'aller ici et là pour aller en maraude à l'extérieur et donc être amené à rencontrer beaucoup de gens. Mais il y a toujours cette notion, effectivement, de se dire, mais finalement, les personnes qui sont avec nous, c'est-à-dire, on ne passe pas souvent à côté des personnes qui sont avec nous? C'est-à-dire qu'effectivement, gloire à Dieu, on peut sortir et il faut sortir et aider les personnes qui ont des besoins, qui sont dans la rue et autres. Mais il ne faudrait pas qu'on néglige effectivement le fait qu'on est aussi avec des frères et sœurs et qui peuvent avoir aussi des besoins. Ça peut être effectivement de nature matérielle, comme on l'a dit. Donc voilà, quand on peut rencontrer ailleurs, mais même spirituel, c'est-à-dire qu'on peut avoir des frères et sœurs qui à un moment peuvent avoir besoin aussi de soutien à ce niveau-là. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment très très important de se dire que voilà, il faut penser aux personnes qui sont avec nous à chaque fois. Et je pense que ça peut aussi, en fait, ça nous parle aussi un peu de la communion fraternelle, dans le sens où c'est très très important de penser aux frères, à mon frère, à ma sœur qui est à côté de moi, que je peux peut-être voir toutes les semaines, je dirais, voilà, lors des réunions d'assemblée ou autres, je ne sais pas. Mais que ces personnes-là, nos frères et sœurs, peuvent être aussi dans des besoins. On a dit que c'était un manque, donc effectivement, que ce soit matériel ou spirituel. Et avoir vraiment ces deux notions. Effectivement, aller voir les autres, mais ne pas oublier les frères et sœurs avec qui nous pouvons être au quotidien, en fait. Donc, je me rends compte à quel point c'est important, effectivement, de pouvoir souligner cet aspect-là. Amen. Donc, je reviens sur un point que Daniel a donné, donc, qui était le fait que le besoin, en fait, en lui-même, n'est pas forcément physique, c'est pas forcément des frères et des sœurs qui ont faim ou qui ont besoin d'argent ou autre. Le besoin, en tout cas pour nous qui sommes un corps, puisque ce passage l'a dit au départ, la multitude de ceux qui croyaient n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc c'est important quand même, sachant que maintenant, en plus de ça, on a un seul esprit. Donc c'est important en fait de savoir dans la marche de chacun. Bon, c'est vrai qu'on est dans les assemblées, on ne peut pas toujours savoir comment tout le monde va. Et c'est vrai qu'on pose la question, ça va? Et on s'attend, ouais, ça va, Dieu m'a fait. Ça va, ça va. Et ça par la grâce. Mais en profondeur, en fait. Et est-ce que nous-mêmes, est-ce qu'on s'attend à recevoir la réponse profonde si on demande à quelqu'un, est-ce que ça va? Et que la personne dit, non, ça ne va pas parce que, en fait. En réalité, est-ce qu'on s'y attend? Ça veut dire que si on ne s'y attend pas, on ne posait pas vraiment la question, en fait, pour savoir, au fond, ce qui se passait. Et on va voir avec la parole que c'est important, en fait, d'être une seule âme, déjà, dans ce qui concerne le Seigneur, dans ce qui concerne le social. Nous, c'est vrai qu'on va voir les gens à l'extérieur, mais pour ceux qui sont autour de nous, on fait partie du même corps. Donc, normalement, si un membre a mal, tout le corps en souffre. On va voir dans 1 Corinthiens 12, et verset 24. Donc, pour nous, en tant que corps, car les parties qui sont belles en nous n'en ont pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Donc, ce qui est vraiment important ici, c'est que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. On va aller encore plus loin dans 1 Timothée. La parole nous dit que... Alors, chapitre 5, les versets, à partir du verset 8.
Donc, si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incrédule. Donc, de ceux de sa famille. Alors, c'est vrai qu'on pense d'abord à notre famille physique et c'est important. C'est très important parce que les indigents, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la rue, il y en a aussi dans notre famille. Mais comme aujourd'hui, on est concentré sur la famille spirituelle, on va se centrer donc pour nous sur l'Église. Donc, c'est encore plus fort dans ce passage parce que ce qu'il dit après, c'est qu'il a renié la foi, celui qui ne prend pas soin en fait, de sa famille. Donc, quand on est ensemble, on est dans des assemblées ou peut-être on se rencontre de temps en temps, on doit avoir en fait à cœur de savoir vraiment si l'autre va bien, de savoir vraiment si dans sa marche ça va, de savoir vraiment si dans sa vie il ne manque de rien, de manière à ce qu'il n'y ait pas au milieu de nous des indigents. Et s'il y a au milieu de nous des indigents, parce que ça arrive encore aujourd'hui, en fait on devrait comprendre que normalement le Seigneur a prévu en fait pour que tout le monde en ait et pour que tout le monde en fait puisse, s'il a un surplus, en donner aux uns et aux autres. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport au fait que c'est aussi spirituel en fait et la parole nous en parle. Par rapport à ce que la sœur Inès disait, en fait justement, en fait comme dit la parole que on doit pleurer avec ceux qui pleurent et on doit se réjouir avec ceux qui se réjouissent. On est une famille, et donc du coup, on doit vraiment, nous soutenir les uns des autres, vraiment autant dans la prière, autant dans les besoins financiers par exemple, et en toute chose en fait. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Toi, du coup, Félicie, qu'est-ce que t'en penses ? Amen. Je bénis le Seigneur, tout à fait. Le Seigneur peut permettre de donner à certaines personnes des ressources peut-être plus importantes. En fait, c'est pas forcément pour soi-même, mais c'est pour aussi distribuer aussi pour les autres. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir la communion fraternelle et d'avoir le discernement parce que j'ai eu l'expérience personnellement où j'étais dans un besoin. Il fut un temps où j'étais dans quelques besoins. Et l'amour des frères, l'amour des sœurs, le Seigneur a permis de donner le discernement à certaines personnes et qui ont pu m'apporter ce que j'avais besoin. Et ça m'a beaucoup touchée sans que je me plaigne ou ce que je fasse. Voilà, une tête abattue. Le Seigneur a vraiment lu dans mon cœur et il a touché les cœurs. Il y a eu cette sensibilité parce qu'il y avait cette base de communion fraternelle. Et c'est important aussi, la communion, de se connaître en fait en profondeur, vraiment. Hein. Vraiment. Et c'est ça l'amour, c'est ça le corps. Donc voilà, ce que je voulais rajouter aussi. Ok, amen. C'est vrai que ça... Je voulais rajouter quelque chose. C'est vrai qu'en lisant ce passage, même quand on revient dans 1 Corinthiens chapitre 12, c'est vrai que notre sœur Lizzie en fait l'a évoqué. Donc 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 26. Et si l'un des membres souffre quelque chose, tous les membres souffrent avec lui. Si l'un des membres est honoré, tous les membres ensemble se réjouissent avec lui. C'est vrai qu'ici en fait on a la notion du corps. Et c'est vrai que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'église du Seigneur, c'est vrai que quand on pose la question, qui est une question en fait générique, hein, voilà, bonjour, est-ce que ça va ? C'est vrai que comme tu disais tout à l'heure, en fait, on ne s'attend pas forcément à... Tout le monde répond de manière normale, ça va quoi. Mais c'est vrai qu'au fond, en fait, en réalité, il peut y avoir justement des souffrances, des situations qui, dans le cœur ou dans la vie, qui fait que ça remonte et qui fait qu'au final, on se sent pas forcément très bien quoi. Et on a, ça nous arrivait souvent et de voir, de comprendre et d'entendre que parmi nous en fait il y avait des personnes, des frères et sœurs qui avaient des fois honte aussi de venir dire tout simplement en fait qu'ils sont dans le besoin, voilà, qui ont honte, qui n'osent pas forcément le dire, qui n'osent pas parler, puisqu'en fait c'est, et aussi là, ça touche un peu la dignité, ça touche un peu la personne, ça touche un peu voilà les émotions et tout ça. C'est vrai que ça nous a arrivé beaucoup de voir, de rencontrer des personnes qui même des fois nous viennent nous voir
mais de manière très 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 discrète, parce qu'elles ont peur du jugement, du regard des autres, du fait qu'elles seront directement cataloguées, qu'on va connaître leur vie. Alors que non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, la Bible tout simplement dit que, dans le passage également qu'on a lu tout début dans Actes chapitre 4, qu'il n'y a pas en fait d'indigents en fait au milieu des saints, tout simplement parce qu'en fait ils avaient cet amour pour pouvoir tout simplement avoir cet équilibre qu'on va le voir dans un passage, c'est-à-dire en fait qu'il y avait pas certaines personnes qui avaient trop ni certaines personnes en fait qui en manquaient, et ça permet tout simplement de quoi de glorifier tout simplement le Seigneur. Parce qu'en fait, quelqu'un du coup qui est dans une situation, pardon, qui financière un peu difficile, qui est un peu, je dirais, dans le creux de la vague, aimerait bien également des fois se réjouir aussi, aimerait bien également de exprimer la joie. Je ne parle pas de la joie dans les souffrances que Christ, les souffrances par rapport à la croix, mais vous avez également des souffrances qui sont là, parce que nous sommes humains. Voilà, on passe des phases dans notre vie qui fait que c'est pas forcément facile, voilà, c'est pas forcément difficile, que celui qui n'a jamais pleuré, ben du coup voilà, ben bon, je connais pas de chrétien qui n'a jamais pleuré, peu importe par rapport à une situation, qui fait que ben cette personne, ben comment dire, glorifiera plus en tout cas le Seigneur, qui fait que, comme la sœur nous disait tout à l'heure, ben le Seigneur prend soin d'elle au travers des frères et sœurs. Parce que c'est vrai que quand le Seigneur permet en tout cas qu'on puisse nourrir en tout cas des sans-abri ou autres, c'est pas seulement réservé en fait à des personnes à l'extérieur, c'est aussi pour les personnes qui sont chrétiennes, quoi, tout simplement pour l'Église. Et c'est pas un mal ni une honte en tout cas à avoir de pouvoir tout simplement bénéficier de la nourriture. Tout le monde au bout d'un moment, je pense, dans sa vie. Voilà, en tout cas, moi aussi, j'ai passé des caps dans ma vie où, voilà, je mangeais des jambons pourris de toi 6 mois. Je passais ça sous l'eau et puis je le mangeais. Gloire à Dieu, il m'est rien arrivé, mais on a connu la disette, on a connu toutes ces choses. Voilà. Donc c'est vrai que au premier abord, ça peut être humiliant, voilà. Mais non, en fait, parce que quand on lit la parole et quand on le comprend. On le verra également par rapport à Paul qui le dira à toutes les contrées, de prendre soin du pauvre, de veiller en fait sur le pauvre. Et il a mis en place plusieurs fois des collectes au sein des assemblées, au sein des assemblées, pour pouvoir subvenir aux besoins des pauvres, afin justement qu'il n'y ait pas d'indigents au milieu des saints. Voilà, c'est tout simplement ça. Et ça permet tout simplement de ne pas faire obstacle à l'évangile, comme dirait également Paul. Moi, tout simplement que ben, tout le monde, on glorifie le Seigneur ensemble, on rigole ensemble, on souffre ensemble par rapport à. On souffre ensemble, voilà. Et on se réjouit tout simplement aussi ensemble. Donc, c'est vrai que ce passage me fait beaucoup penser à cela. C'est vrai qu'on a beaucoup pensé aussi à l'extérieur, mais c'est vrai que nous, voilà, vous qui êtes aussi dans le besoin, il y a les épiceries qui sont là, le Seigneur donne des plats, permet en tout cas qu'on ouvre des portes au niveau des partenariats. Il y a des plats, voilà, bio, diététiques, franchement c'est de très bonne qualité. Et c'est, au contraire, mais venez, et puis on, au contraire, ce serait une joie également pour nous, quoi. Voilà. C'est vrai que tu voulais parler aussi d'un passage qui est dans Jean chapitre 13, c'est ça ? Oui, Jean chapitre 13. Au verset 34. Jean chapitre 13, verset 34 nous dit donc: je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et verset 35: à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça? Mais... Ce qui m'interpelle, c'est que ici, c'est vrai que ça n'a pas été mentionné que nous serons reconnus comme disciples par rapport à toutes les choses que nous faisons, en tout cas pour nous qui sommes dans le social à l'extérieur, et outre mesure, pas non plus aux miracles, aux prophéties et autres choses, mais réellement à l'amour en fait, premièrement qu'on aura entre nous. Amen. Et ça c'est une
condition principale, en fait, si ce n'est la seule que je vois en tout cas dans ce passage, pour qu'on soit réellement reconnus comme des disciples en fait de Jésus. Donc, on ne peut pas, en fait, je pense que c'est pas possible en fait d'être entre nous et que l'un d'entre nous souffre. Je pense que si vraiment on est à l'écoute du Seigneur, le Seigneur est capable de nous dire ton frère, ta sœur, il a besoin de X, de Y ou de Z. Et c'est vraiment, ça relève vraiment en fait de l'amour en fait de notre part, premièrement, d'avoir assez d'amour pour même, ne serait-ce que, c'est pas forcément donner quelque chose, mais prier les uns pour les autres, par exemple. Nous, on est, je sais plus combien, on a une petite trentaine à la voix. C'est vrai que c'est pas facile de prier pour chaque personne individuellement, mais c'est important de remettre chaque personne au Seigneur, au moins de dire, Seigneur, je te confie mes frères et sœurs de la voix. Mais si on n'a pas le cœur attentif, si on n'a pas l'amour dans notre cœur, en fait, on peut pas non plus être réceptif. On peut pas écouter en retour de cette prière ce que le Seigneur peut nous dire par rapport aux uns et aux autres. Et pourtant, c'est important. Et pourtant, en fait, on est là les uns les autres pour se soutenir et pour que, justement, l'exercice de nos dons et toute autre chose, c'est d'abord, premièrement, entre nous, en fait. Sinon, le reste du monde ne comprendront pas et ne sauront pas nous identifier comme des disciples de Christ. Et je veux revenir sur ce que tu as dit, c'est important. La voix des 100 voix et le grenier solidaire existe. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'actions avec les personnes qui sont ici en France ou même parfois à l'étranger. Mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est ouvert aussi pour nous les chrétiens, pour ceux d'entre vous en fait qui ont des besoins réellement passés en fait, parce que ça ne sert à rien. La parole nous dit, ceux qui ne prennent pas soin de leur famille ont renié la foi. Donc, ça ne sert à rien si on est là et qu'on peut nourrir toute la France, mais parmi nous, en fait, il y a des gens qui ont faim. Ça n'a pas de sens, en fait. Tout à fait. Du coup, mon frère Daniel, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça ? Non, amen, gloire à Dieu pour ce partage. En tout cas, effectivement, c'est comme on dit, hein, c'est que on peut avoir tendance à oublier finalement, je dirais, la famille spirituelle, enfin les frères et sœurs qui peuvent être à nos côtés et ne pas prendre attention finalement aux besoins qu'on peut avoir. C'est vrai qu'il y a ce souci où effectivement les gens aussi, c'est quand même difficile. C'est quand même difficile voilà, pour les personnes de venir dire qu'effectivement il me manque ci, il me manque ça. Mais il ne faut vraiment pas avoir honte, vraiment pas du tout. C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde, à n'importe qui. Et il faut, voilà, le Seigneur permet qu'il y ait, comme tu disais, donc la voix ou d'autres associations qui sont là pour vraiment aider. Et on veut aider dehors, c'est vrai, mais on veut, entre guillemets, aider aussi à l'intérieur. Donc les frères et sœurs, donc on veut vraiment que ce soit, voilà, qu'on puisse vraiment penser aussi aux gens qui sont à côté de nous, qui sont toujours avec nous. Amen. Amen. Tic. J'ai un passage que je voulais prendre. Amen. Du coup, on va prendre le passage de Romains, chapitre 15. Ouais, si notre sœur Félicie peut m'aider pour la lecture. Donc Romains chapitre 15, à partir du verset 24 au verset 27, s'il te plaît. Amen. J'irai chez vous lorsque je partirai pour aller en Espagne. Et j'espère que je vous verrai en passant par votre pays et y être accompagné par vous après que j'aurai premièrement satisfait en partie mon désir d'être avec vous. Mais maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints, car il a semblé bon à ceux de Macédoine et d'Achaïe de s'imposer une contribution pour les pauvres parmi les saints de Jérusalem. Ils l'ont bien voulu et ils le leur devaient, car si les nations ont eu part à leurs biens spirituels, elles doivent aussi leur faire part des choses charnelles. Amen. Amen. On va prendre un autre passage qui, à peu près, est dans le même esprit. Du coup, 2 Corinthiens, chapitre 9. Du verset 1er euh,
Verset 1er au verset 2. Tu peux lire sur l'écran si tu veux. Verset 1er au verset 2. Ouais, 1, 2. Pour commencer. Alors, il est vraiment superflu que je vous écrive au sujet du service en faveur des saints. Car je connais votre esprit bien disposé, dont je me glorifie de vous devant ceux de Macédoine. Leur disant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. Amen. Et le verset 12. Verset 12. Ouais. Car le service de ce don est non seulement suffisant pour subvenir aux besoins des saints, mais il abonde aussi de telle sorte que plusieurs ont de quoi faire des actions de grâce envers Dieu. Amen. Et c'est vrai que ces passages qu'on a pu lire parlent de Paul en fait, qui est en train de mettre en place les collectes au niveau des contrées pour pouvoir tout simplement subvenir aux besoins des saints à l'intérieur du coup des assemblées. Et c'est un point qui est très important de soulever, puisque c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est quelque chose en fait qui n'est pas commun en fait, en tout cas dans nos assemblées, dans les assemblées locales qu'on peut connaître, côtoyer ou même de près ou de loin. Parce que c'est vrai que quand on regarde dans nos assemblées locales, il n'y a pas forcément des choses qui sont mises en place pour les pauvres, pour les indigents, pour même nous, je ne parle pas forcément de l'extérieur, mais les personnes qui sont dans le besoin, les saints au milieu de nous. C'est vrai qu'on s'arrête à la prédication le dimanche, on communion fraternelle, entre guillemets, et puis après on rentre chez soi. Sauf que c'est vrai qu'on a vu tout à l'heure la communion fraternelle consistait également à s'enquérir de l'autre, à s'enquérir également de comment il va. Ouais. C'est pas la communion fraternelle, c'est pas juste dire bonjour, bonjour, au revoir, ça va pas et croiser quelqu'un. Ce n'est pas ça la communion fraternelle. C'est ce que la parole nous le dit, mais ça c'est un sujet à part. Et là, en tout cas par rapport à l'indigent, c'est vrai qu'on n'en voit pas quoi. On peut regarder pas mal de prédicateurs qui eux se contentent en tout cas de entre guillemets, démontrer l'onction, démontrer la capacité à prêcher ce genre de choses, mais aucune action pour justement la personne qui souffre à l'intérieur du corps. Aucune action qui est mise en place pour les personnes qui sont dans le besoin au niveau du corps. Aucun soutien n'est fait justement pour les personnes qui sont dans le besoin, qui passent justement des situations difficiles, comme je disais tout à l'heure, qui étaient également dans le creux de la vague. Ça n'est pas fait en fait. Ça, pour pas mal également de chrétiens, le social, l'entraide ou tendre la main, c'est quelque chose en fait d'annexe à l'évangile. C'est quelque chose en fait c'est une option, voilà, dans la foi. Je la prends, je la prends pas. Alors que non, la parole le dit également dans Jacques, c'est que le social aider notre prochain. Et tout ça, s'enquérir, c'est ça en fait l'amour, on l'a lu tout à l'heure, c'est pouvoir tout simplement s'enquérir de l'autre, c'est pouvoir avoir ce cœur pour lui. C'est en cela, on l'a lu dans Jean 13, c'est s'aimer, c'est l'amour, c'est s'aimer les uns les autres, comme le Seigneur nous le disait. Et c'est vrai qu'on nous voit, je dirais, rarement. Des prédicateurs, des pasteurs, ce genre de ministères ou autres, qui mettent en place vraiment des actions pour aider justement les frères et sœurs qui sont dans le besoin. Sans parler de l'extérieur. Parce qu'il y a même des personnes qui le font juste pour se faire voir. Ah oui, on fait ça, mais au contraire, il n'y a même pas de cœur, il n'y a même pas d'amour, il n'y a même pas de compassion pour ces personnes. Tu vois, ça reste juste en fait, voilà, on a mis ça en place et puis bon, voilà quoi. Oui. C'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Et Paul, en fait, a plusieurs reprises, en tout cas, dans les évangiles, dans les épîtres, a plusieurs fois insisté sur le fait de mettre des collectes en place pour justement les indigents et les pauvres. Et c'est vrai que, on a volontairement mis cette semaine, si vous allez voir sur notre Facebook, une image
qui interpelle, puisqu'en fait on a rencontré du coup une personne, c'est-à-dire en fait une personne qui était voilà rejetée par sa famille, qui était justement déconsidérée par sa famille, qui est venue en France. Elle a 19 ans, elle a un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, et elle est donc du coup 19 ans, elle est à l'école. Et il se trouve qu'elle est chrétienne. Voilà. Et on a volontairement posté cette question. Qu'est-ce que vous auriez fait, en fait, pour l'aider, cette personne? Pour justement pousser à la réflexion. Elle a 19 ans. Elle n'a pas de papier, puisqu'en fait, son titre de séjour en fait, a expiré le 11 octobre. En octobre, voilà. Elle est en phase de passer son bac l'année prochaine, son bac gestion administrative. Elle a un enfant de 2 ans. Elle est en colocation chez un particulier. Elle paye un loyer. Et elle ne peut pas trouver de travail parce qu'en fait son titre de séjour n'est pas valide. Donc pas de travail, pas d'argent. Elle ne peut pas se nourrir. Elle a un enfant. On est en hiver. Donc il faut renouveler, entre guillemets, les manteaux qui sont trop petits ou les vêtements qui sont trop petits. Voilà. Elle n'arrive pas à acheter des vêtements pour sa fille. Elle n'arrive pas à vêtir sa fille. Et elle vient nous voir dans l'espoir, justement, qu'on, par la grâce du Seigneur, qu'on puisse trouver une solution. Et elle aime le Seigneur. Donc les indigents au milieu de nous. Et du coup, en entendant son parcours, ce qu'elle nous racontait et tout, je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Elle ne peut pas repartir de couronne sans qu'on ait trouvé une solution pour elle. Ce n'est pas possible. Et du coup, le Seigneur a permis qu'on puisse poser certaines questions qui fait que c'est une jeune fille qui est déterminée, qui a envie d'avoir son bac, et qui m'a dit qu'elle souhaitait être expert comptable. Quand elle a dit ça à l'assistante sociale a rigolé. Parce que dans sa situation, elle n'a pas de papier, elle a une fille, elle a 19 ans, pas son bac, et tout, elle vient d'un pays d'Afrique et tout. Donc pour elle, pour eux, elle ne rentre pas dans les codes de réussite de l'élite, quoi. Et je lui dis, si tu veux, tu peux. Et déjà pour ton bac, on va t'aider. Il y a des cours de soutien scolaire qui est fait au sein du grenier. Tu te présentes, tu t'inscris, on va t'aider à avoir justement ton bac. Et après, même par la suite, on va t'aider à aller jusqu'au bout. Ce sont des situations comme ça qui nous parlent, qui nous touchent et que ce n'est pas anodin. Vous imaginez, franchement, quand j'ai entendu son témoignage, je me suis dit, c'est pas possible que ça arrive dans le milieu chrétien. On est là, tranquille et tout, tout va bien, et on n'imagine pas que la personne qui est juste à côté de nous, ben, elle souffre. Voilà, cette image. On n'imagine pas que cette personne, en fait, elle souffre. On n'imagine pas que cette personne, en fait, elle a un besoin. On n'imagine pas que dans quelques jours, elle serait expulsée parce qu'elle ne peut pas payer son loyer. En plus, c'est pas la première fois qu'on rencontre des personnes comme ça qui sont dans des situations très compliquées, à la limite de la rue. On rencontre souvent je sais pas si ça vous est déjà arrivé, rencontrer des familles dans la rue. Des familles monoparentales, mais avec des enfants de 2 ans, de 3 ans, 5 ans, 6 ans, dans la rue. Mais c'est inimaginable. C'est inconcevable, c'est pas possible. Nous, l'Église, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais, toi, chrétien? Qu'est-ce qu'on fait, nous? S'enquérir de l'indigent au milieu de nous, à côté de toi. C'est vrai qu'il y a des personnes, du coup, qui n'osent pas parler. Mais comme la sœur a dit tout à l'heure, le Seigneur également est capable de donner le discernement pour qu'une personne, voilà, aille vers cette personne. Mais est-ce que tu te poses cette question, des fois?
C'est pour ça qu'on a poussé justement à la réflexion en postant cette image sur Facebook. Pour justement pousser à la réflexion. Rejeté, oublié, méprisé. Si tu pouvais l'aider, mais qu'est-ce que toi tu aurais fait? Comment tu aurais aidé cette personne? Avec tes moyens, bien évidemment, pas au-delà, puisque la Bible nous dit qu'il ne faut pas aider au-delà de ce qu'on a, afin de toujours garder cet équilibre, cette égalité. Qu'est-ce que tu aurais fait? L'aurais-tu méprisé aussi? L'aurais-tu rejeté? L'aurais-tu jugé? Ah, elle est petite, elle a des jeunes filles de 2 ans. Waouh, sa vie, waouh, c'est compliqué. Rejeté par sa famille. Et comme elle n'a pas d'argent, on s'est douté qu'elle avait fraudé en venant. Maintenant qu'on sait ça, est-ce que tu vas la laisser repartir comme ça? Parce que forcément, elle va frauder. Mais non, tu le sais. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. Devant le Seigneur, tu sais. On lui a donné un petit quelque chose pour justement qu'elle puisse prendre le billet pour elle et sa fille. Pas la grâce de Dieu. Quand elle est venue nous voir, elle avait le visage fermé. Elle était triste. Elle avait limite un peu peur, quoi. Parce qu'elle ne nous connaissait pas. C'était en plus la première fois qu'on la voyait. Quand elle est repartie, elle était choquée. On a prié pour elle. On l'a aidée. On a trouvé des solutions concrètes pour elle. Parce que ce n'était pas concevable qu'elle parte sans solution. C'est impossible. Tu ne peux pas être dans cette situation et repartir comme tu es venu. La voie de sans voix, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les indigents au milieu de nous. Les gens qui n'arrivent pas à s'en sortir en fin de mois. Qui n'arrivent pas à regarder comment le Seigneur bénit cette œuvre par rapport également à la nourriture en abondance. Des fois, on n'a même plus de place à Cocorone pour placer les cartons. Justement, on n'a plus de place à Cocorone pour placer les cartons. Voilà, c'est gratuit. C'est un sujet très important. On n'en parle pas dans les églises, les indigents au milieu de nous. On n'en parle pas, puisque en général, ça dérange. On pense dire, ah oui, il va falloir que j'aille donner de l'argent. Non, c'est pas ça. Dans ces cas-là, il y a un problème. Il y a un problème d'amour, il y a un problème de compassion, il y a un problème de conversion. Il y a un souci quelque part. La chose la plus importante, ce n'est pas prêcher ce genre de choses. Non, c'est l'amour. Et en quoi elle est exploitée, elle est mise en avant cet amour que nous avons reçu en fait du Seigneur. C'est bien de méditer, c'est bien de dire que oui, j'ai reçu l'amour. Mais montre-nous, exploite, fais-en bénéficier à cette personne justement qui a besoin de cet amour. Prie, soyons des sentinelles également, comme des Néhémie, comme les Jérémie, qui portons les fardeaux de ces personnes pour l'emmener au pied du Seigneur. Seigneur, si tu me donnes pas de solution là, je reste là. Elle a besoin de toi, cette personne. Et si elle est venue jusqu'ici, je crois que c'est toi qui l'as conduite, donc elle ne peut pas repartir comme elle est venue. C'est impossible. Si jamais tu as manqué de foi dans ta vie, là, quand tu vas voir cette personne, il faut que tu aies la foi. Parce que tu as cet amour pour elle. Tu as cette compassion. Tu t'oublies carrément et là tu es devant le Père. Tu dis, papa, si jamais on n'a pas de solution là, je reste là. C'est pas possible. Elle cherche à t'aimer. Elle t'aime, elle prie. Elle essaie de s'en sortir. Elle est motivée malgré tout ça. Déterminée. Elle a une fille. C'est pas facile d'aller à l'école. Dans cette situation, c'est pas facile de réviser dans cette situation. Nous qui avons des enfants, on connaît. C'est pas évident. Elle passe le bac justement l'année prochaine. Cette rentrée, elle n'a pas pu aller à l'école. Pas de patron. Vous imaginez tout ce genre de choses? Non, c'est pas possible. Pas possible. Donc là, c'est quelqu'un justement qu'on va suivre. Et on va l'aider sur tous les points, quoi. Tous les points que le Seigneur permet. Pour ses papiers, on a déjà pris rendez-vous
avec un partenaire qu'on a sur le plan juridique qui voilà, c'est un cabinet d'avocats. Du coup, pour les études, bah, du coup, on s'est allié avec notre sœur le grenier, donc voilà, pour justement l'aider, réviser tout ça. Pour sa fille également, on va essayer de faire quelque chose pour voilà, organiser des sorties avec elle pour voilà. 2 ans, bien sûr. Elle a droit aussi à goûter la joie du Seigneur. Elle a droit également de goûter aussi au bonheur du Seigneur. C'est ça l'Église. C'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ils ont dit j'en parle nous du coup. Amen. Donc c'est vrai que oui, c'est tragique, hein, effectivement, quand on voit que parmi nous, oui, je disais, effectivement, ça interpelle vraiment quand on voit effectivement que parmi nous, effectivement, il y a des frères et des sœurs qui voilà, qui veulent marcher avec le Seigneur, mais il y a des fois tellement de difficultés dans le matériel que ça peut être très compliqué. Et effectivement, je pense que bah, nous, Église, c'est ça notre devoir aussi, c'est voilà, de soutenir. Voilà, ces frères, ces sœurs qui veulent, voilà, qui veulent marcher avec le Seigneur, qui veulent avancer, et c'est à nous de les aider aussi. Voilà. C'est ce que le Seigneur nous demande, en fait, de les soutenir comme on peut, selon nos besoins, effectivement. Mais on peut tous faire quelque chose, selon ce que Dieu nous permet, mais on peut tous faire quelque chose. Et c'est vrai que des fois, ne serait-ce que y penser, prier, ou ces choses-là, c'est déjà quelque chose. Et il faut qu'on ait voilà, plus cette... qu'on pense davantage vraiment aux personnes qui peuvent être parmi nous et qui peuvent souffrir autant que des personnes qu'on peut rencontrer des fois aussi à l'extérieur, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses du coup, Dizzy ? Alors, franchement, je bénis Dieu parce qu'en même temps, le Seigneur, il est en train aussi de nous enseigner. Et donc, du coup, c'est vrai que j'avais fait une petite expérience pendant un moment. Et avant, en fait, c'était en fait mon frère, en fait, qui était dans une situation compliquée. Et donc, du coup, à ce moment-là, le Seigneur, en fait, il me faisait ressentir, en fait, vraiment sa douleur. Et en fait, bah, le Seigneur me faisait ressentir, c'était quoi la compassion? Et franchement, j'ai ressenti sa douleur, même la nuit pour dormir, c'était vraiment compliqué, parce que mon cœur, en fait, avait mal. Et donc, du coup, avec cette compassion, bah, lorsque, en fait, bah, je priais pour lui, en fait, bah, je me rendais même pas compte, en fait. C'était vraiment l'enseignement du Seigneur. Donc, du coup, en fait, bah, je m'oubliais moi-même. Je m'oubliais. Et donc, du coup, j'étais vraiment, c'était comme si mon cœur, en fait, il avait une bouche tout d'un coup. Et donc, du coup, il criait au Seigneur, mais avec force, avec compassion, avec larmes, en fait. Et donc, du coup, et en fait, vu que c'était mon cœur qui avait parlé, et donc, du coup, le Seigneur, en fait, bah, il a agi. Parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs souffrent, on prie pour eux et tout ça. Mais sans la compassion, en fait, ça peut être très compliqué. Alors que lorsqu'on a la compassion et lorsqu'on va devant le Seigneur, là, en fait, c'est notre cœur qui parle. Et Dieu, en fait, il exauce tout de suite. Il l'exauce tout de suite. Et j'ai vu la gloire du Seigneur, à Jésus toute la gloire, bah, parce que le Seigneur, bah, il s'est glorifié. Donc, du coup, mon frère, là, en fait, bah, le Seigneur a résolu sa situation. J'étais choquée. Voilà. Et donc, du coup, le Seigneur, il me faisait comprendre que c'est comme ça, vraiment, qu'on doit prendre soin de nos frères, en fait. Nos frères et nos sœurs. Vraiment avoir cette compassion-là, avoir l'amour pour eux, l'amour de Christ. Et donc, du coup, lorsque nous allons les porter de la prière, le Seigneur, en fait, il pourra que agir, en fait. Il pourra que agir. Amen. Voilà. Amen. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, Inès ? Je pense que, comme nous le disait le passage dans Jean, en fait, ça, c'est ce qui montre, en fait, qu'on est vraiment des disciples du Seigneur ou pas. Parce que le Seigneur lui-même étant ici, il a pratiquement fait que prendre soin, en fait, des personnes qui étaient autour de lui, même un petit peu de manière étendue quand il a guéri, en fait, la belle-mère de Pierre, si je me souviens bien. Mais il a pratiquement fait que ça, en fait, montrer cet amour-là qu'il avait pour les personnes, toutes les personnes, pas uniquement les personnes qui étaient autour d'eux. Mais du coup, en fait, c'est pas possible pour nous
de mettre ça de côté. C'est pas possible pour nous de se dire d'un côté, il y a la prière, il y a le culte, il y a les frères et sœurs, et de l'autre côté, il y a les gens qui travaillent dans l'œuvre sociale. Mais moi, je travaille pas dans. On n'a pas besoin d'être dans une association en fait pour réellement avoir le cœur pour les autres. On n'a pas besoin d'être dans une association pour prier les uns pour les autres. J'ai d'ailleurs un petit témoignage là. C'était pas un besoin physique, mais c'est vrai que au mois de juin. J'ai passé une période, j'étais tellement fatiguée, je crois que je dormais toute la journée. Je ne faisais que dormir, j'étais vraiment fatiguée. Et c'est vrai que même au niveau... Alors j'étais fatiguée physiquement, et c'est vrai que du coup ça me fatiguait aussi spirituellement, parce que je n'arrivais pas à me remettre dans la prière, dans la méditation, et j'étais vraiment, vraiment, vraiment à la traîne. Et il est arrivé qu'un de nos frères à la voix... m'appelle un matin, il me dit le Seigneur il m'a montré que t'étais vraiment fatiguée, du coup je t'appelle pour t'encourager. C'était un appel court, mais je pense que direct après j'étais j'étais tout feu tout flamme, j'étais tellement contente de me dire que le Seigneur avait pensé à moi. Amen. Mais en fait le Seigneur il pense tout le temps à nous, il passe son temps à prendre soin de nous. Amen. Et ça passe aussi par les uns les autres, qu'il ait le cœur pour prier pour moi. Mais ça, c'est ce qui permet qu'il puisse aussi recevoir et entendre ces choses que le Seigneur lui dit. Et moi, m'encourager. Donc, on est vraiment tous les uns comme ça. Normalement, on devrait être comme ça les uns avec les autres. Et moi, ça m'a vraiment... j'étais relancée dans la prière, relancée dans la méditation. J'étais tellement contente. Je me suis sentie précieuse, en fait. Amen. Amen. Du coup, je ne sais pas si vous souhaitez du coup rajouter quelque chose. Ça va. Ok, super. Nous tenons quand même à dire merci du coup à ceux qui, je ne vais pas dire ceux qui nous soutiennent, parce que quand vous nous faites des dons, en tout cas, je parle de la partie financière, ça profite tout simplement aux sans-abri. Donc merci à vous qui soutenez les sans-abri, merci à ceux qui soutenez le pauvre, l'indigent, parce qu'en fait, voilà, c'est pour eux. Enfin, voilà. Voilà. Continuez à le faire. Merci également surtout à ceux également qui prient pour nous, parce que c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident. Le Seigneur est là en tout cas, c'est son œuvre, et puis nous on est derrière, on le suit, on le colle au nom de Jésus, et puis on continue en tout cas le combat, on continue l'œuvre jusqu'à ce que le Seigneur nous vienne nous récupérer, ou voilà, jusqu'à ce qu'il nous montre autre chose. Voilà, en tout cas voilà, cette émission en tout cas a été fait en tout cas pour parler voilà des indigents en tout cas au milieu de nous. Donc j'espère en tout cas que toi quand tu seras également dans ton assemblée dimanche là, que tu considéreras en tout cas la personne qui est à côté de toi, tu considéreras voilà ton frère, ta sœur qui est à côté de toi, pour voilà lui poser la question réellement, est-ce que ça va, voilà, et en quoi puis-je t'aider. Voilà, voilà, parce que on est clair que ce n'est pas forcément de notre propre force, mais c'est le Seigneur qui permettra en tout cas de l'aider par rapport à nos capacités tout simplement. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Merci en tout cas d'avoir suivi l'émission. Et puis du coup, je vous dis au mois prochain, puisqu'en fait on fait une émission tous les premiers mercredis de chaque mois. Donc continuez à nous suivre en tout cas sur les réseaux. Sur TV de vie, et on se dit à la prochaine. Bonne soirée.